n'est pas allé sur ce qui est dit dans la réglementation FIFA, mais on a utilisé plutôt l'I2AF. L'I2AF donne un ensemble d'orientations lié un peu à là où on doit mettre la tribune presse. Parce que eux, ils demandent à ce que la tribune presse soit au niveau de la ligne d'arrivée. Et maintenant, vous voyez, là, on a deux tunnels, parce qu'on a le tunnel qui était là où on était, où il y a l'accès des athlètes quand ils viennent en compétition. Et il y a un autre tunnel d'arrivée qui est assez à droite. Et c'est juste au niveau de ce tunnel-là où on va avoir la presse. Et cette presse-là, voilà, à ce niveau. Et cette presse a également une salle presse juste ici. Et l'entrée presse également a été configurée de la sorte qu'ils ont possibilité toujours d'accéder vers le formal interview room. Bon, c'est salle de conférence de presse en football. En athlétisme, on va parler de formal interview room parce que c'est les athlètes qu'on interview juste. La zone mixte. Ils peuvent prendre leurs escaliers qui leur sont dédiés et maintenant venir vers la salle presse pour aller vers les tribunes presse. C'est comme ça la configuration. Ici, donc, c'est une tribune de 2000 places et on a essayé au mieux de respecter toutes les dispositions qui ont été définies par rapport à la réglementation des arbitres. Voilà. Par rapport à la réglementation et à la vitesse du vent. Bon, pour la vitesse du vent propre, on m'a dit, parce que le stade déjà, ça c'est une connotation. I2AF comme FIFA. Elles sont définies, orientées nord-sud. Voilà. Et tous nos terrains, ça c'est là, celui-ci comme l'autre, ils sont orientés nord-sud. Maintenant, lié un peu à la vitesse du vent et autres, parce qu'il y a un ensemble de systèmes qui est défini en matière d'athlétisme, lié un peu au chronométrage, au anémomètre. Mais soyez sûr qu'un dispositif Time Tronics a été développé, parce que Time Tronics, ils sont habilités FIFA. Ça a été développé. Et